loi américaine sio mbaya, tunaweza tukaseme ni loi yenye ikuwa nzuri, mais wakati bametuletea ya kusema kama il faut transabilité ikuwe pale, tunaifurahia zaidi parce que avec transabilité itatupatia chemin na canal ya minere yenye itakuwa inatoka pour que ionekane kutokuwa minere de sang. Tunairemercie kama exactement itaanza na itafika, itakuwa kutufasilite siye pour que tukue libere na madesordre na vitu vyote vyenye vimesha kupita. Na kama ulikutanika njoo na bale ba maimai, bale ba FDLR banakuwa kama mpori, njoo batakuchomokea, banakukula ile karasu yenye bali kupatia kwa kukusaidia juu unabeba mzigo. La loi Dodd-Frank est arrivée au moment où il y avait une situation sécuritaire intenable à l'est de la République démocratique du Congo. Les tueries, les massacres, les déplacements des communautés, ce sont des effets très négatifs que la population a connus depuis très longtemps à cause effectivement de l'exploitation désordonnée des ressources naturelles. Pour le territoire de Masisi où nous travaillons, il y a une amélioration de la situation sécuritaire effectivement à cause de cette loi-là, Dodd-Frank Act, et bien sûr à cause d'autres initiatives régionales et internationales par rapport à la gestion des ressources minières, notamment les minéraux. Et si les gouvernements, les opérateurs économiques se mettent à l'œuvre pour effectivement l'application des règles ou des règlements qui sont prévus dans cette loi-là, nous pensons qu'effectivement la sécurité va s'améliorer et les populations de la République démocratique du Congo vont profiter des ressources naturelles que Dieu leur a données. Mais aussi, nous sommes de ceux-là qui savent que les ressources naturelles sont épuisables et que naturellement, il faut aussi actuellement commencer à développer des activités alternatives aux minéraux. Why couldn't you farm before? Je na zamani haungelienda nani kushamba kwa usalama hapana? Hakuna. Well, before it was almost impossible because of the young folks. So before you were afraid to go to your farm? Je eske zamani kuna kupaka kwenda kulima? Basi kwa wakati atakuwa tunapita kule. Oh my god, before I couldn't make it. It was impossible. And what has changed? Je na leo bitu imebadilika namna gani? Hali imebadilika je? Oh well, today I can go back. I can go to my farming land and come back. So that's really a big change. Zamani tulikuwa naweza kwenda kwa masomo, lakini difficulty ya security ilikuwa sana. Unaweza anza enda kwa masomo, kisha utamaliza mwaka swati mnapata atake unakuja kwa masomo na kimbia kodi. Mabadiliko yenyewe iko, mabadiliko inakuwa mpepe parce que mtu anaweza anza masomo mwaka na anamaliza mwaka mzuri. Sasa militaire alikuwa anaingia mpori, civil mwenye anakutana na mpori donc ya furahi, mais ça ma police de mine wanaanza ingia, wanaanza kontrole, donc inafurahisha wa population na amani inakuwa na munjia kwenda mpori. Ile sheria njoo yenye itatumana watu wasikwe wanagombania mvitu sa vile kupenda faranga na kuuza masira. Mbo mie nikifika kwetu ni kusoma tu kwa juni kingali mdogo.